Espèce d'herbivore. Ah, il y a quelque chose. Là, ils sont là. Donc... Ok, et les omnivores. C'est là. Apparemment non. C'est là. Non, ceux-là sont herbivores. Ah oui, c'est des carnivores ça. Ah, je voulais des omnivores moi. Bon, enfin bref, ça fait rien. Remarque, des omnivores, il y en a. Il y en a sur la planète de nos alliés là-bas tout au bout. Mais... Bon. Remarque, est-ce que des carnivores suffiraient? Ouais, des carnivores vont suffire. Donc c'est bon. Et on est en plein centre de la cible quoi. C'est bon, on est en T3. Donc, j'ai pas de colonie, mais je vais en racheter rapidement. Bon, au prix fort, mais j'en ai une. C'est quoi ça? Tu me dis ça, je m'en fous. Ah non, ça va ici. Ouais, ouais, c'est quand même cher. Allez, j'ai l'objet. Et bah, quitte à faire, je vais acheter les deux. Ce sera fait. Et je vais la mettre là. Je vais la mettre ici. Et on va faire un peu de gestion sur cette planète. Sympa les maisons. Alors l'usine. Une usine ici. Et une usine ici. On rajoute les maisons où il faut. Ok. On valide. Enfin, on valide. On va passer à la suivante. C'est une maison. Ouais, donc c'est bon. Et on est bon. C'est pas vrai ça. Ouais, il manque ça aussi.
un truc qui foire. Il y a un truc qui foire ici. Je produis moins que les autres alors que j'ai... Ah, il me manque une maison. Voilà. Là, c'est bon. Il manque une toile aussi. Bon, on est bon. Allez, hop. Une colonie de plus. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ici on produit quoi? Du jaune. Ici ça pourrait être intéressant aussi. Là-bas c'est du jaune aussi, remarque. Bon, bah, on va refaire le tour des colonies. Ça, on va pouvoir récupérer toutes les épices et on va essayer d'atteindre les 10 millions. Il nous manque 4 millions quand même. Attendez, c'est un quoi ça? Il est validé le T3? Il est validé, ok d'accord. Bon bah c'est bon alors. Ben donc on a donc notre planète mère qui fait de l'épice orange. Cette planète là qui fait de l'épice jaune et qui a un T3. On a de l'épice vert en T3. Et l'épice rose en T3 depuis peu. Donc c'est nickel. On produit pratiquement tout, toutes les épices. Disponible du moins sur des colonies qui sont à 100%. Ah non, il y a l'épice bleue aussi. J'ai pas l'épice bleue moi. Ah, j'ai pas l'épice bleue. J'ai mes alliés qui ont de l'épice bleue, mais pas moi. Ça pourrait être intéressant d'acheter ça. Ça représente quoi là-dessus? C'est un T2. Ah, ça va coûter cher. Un T2 ça a coûté cher. Il faudra vraiment qu'ici j'achète. Bon, on va essayer de trouver ces trucs là. Alors, c'est bizarre, hein, dans le jeu, j'ai le son qui saute. C'est assez désagréable. Pas bon.
Ok, je viens de le voir. Je viens de voir que je perdais ma vie. Il est temps de s'éloigner un petit peu. Essayer de rentrer en contact. Attends, mais comment je peux rentrer par là? Faut que j'améliore mon moteur interstellaire. Je vais essayer par là. Bon. Ici, ouais. Je dis que je ferai de la gestion également sur ma planète principale, mais bon. Alors, on est où? Bah, on est là. Donc, je vais essayer de m'éloigner un petit peu. J'ai des colonies sur moi éventuellement. Non, là pareil, là c'est une limite. Donc le seul moyen, ça serait de passer par le trou noir. Mais c'est risqué. Et ça peut être un voyage sans retour. Sans voyage interstellaire quand même. Ok. Oui, j'oubliais. Ça, je vais acheter ça. Ah d'accord, ok, c'est unique. Bon.
Sure,
Je suis désolé, je viens de me rendre compte. Alors, il y a eu une petite coupure et j'ai oublié de réenclencher mon micro. Je suis désolé. Alors, donc on a, voilà, vous avez bien vu, on a découvert une nouvelle espèce avec qui on est plutôt amical. Donc, tant mieux. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il y a de mieux. Mais j'ai vu que un peu plus loin, je pense ici, on va manquer de puissance interstellaire. Encore une fois. Donc, peut-être qu'on va découvrir d'autres espèces. Ça pourrait être sympa. En attendant, je navigue. On traverse juste l'espace. On a pu améliorer encore nos sauts. Ouais, voilà. Après, il y a un univers qui nous sépare. Donc, pas vu qu'il y avait une flèche en fait à mon cercle. Donc il va falloir qu'on améliore notre moteur stellaire encore. Il n'a pas eu l'occasion de la... Pourtant, il y a des choses ici. Ok, inoccupé. Ok, parce que je suis passé un peu vite, il n'a pas eu le temps de le scanner. Bon. Bon, tant pis. Hop. On va demander à nos alliés du ravitaillement. Y a vraiment des choses intéressantes. C'est vraiment à bas prix et ça vaut le coup. Franchement, c'est des alliés qui valent le coup, ça. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a d'autre. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Ouais, il y a quelque chose par là. Vraiment dangereux hein, comme planète hein, mais bon. Ah oui, ils sont sur l'épice bleue aussi. Donc là on a un T2. Là il y a encore un truc à voir. J'ai l'impression que c'est des trucs pour eux en plus. J'avais pas vu ça. Empire gras du bide. Vous êtes dans notre territoire et heureusement pour vous, nous avons beaucoup d'objets à vendre. Ok, toi t'as vraiment une sale tronche par contre quand même. Désolé de te le dire mais... Mais toi, t'as pas été gâté par la nature, tu vois.
Bon, attendez, je vérifie quand même mon micro. Ouais, c'est bon, mon micro est branché. Je suis désolé pour la coupure de micro. Mon avis, ça va leur plaire. Bon, on va voir. Là pour le moment je leur fais je vais refaire ça, mais alors on a un appel, donc on a eu un appel de là-bas apparemment. Pain. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ok, on a les chibis. Ok, ça a l'air de bien se passer. Prospérité. Ok. Donc plutôt bénéfique comme. Ok, très bien. Et donc ça a l'air d'être des commerciaux. Pas moins cher que l'autre. 3000 les épices, ouais. Après, faut voir les épices, les autres épices. Je suis sûr que les autres épices, on pourrait. Ok, par contre, ils ont aucun. Putain, vous savez quoi? Eh, il a aucune planète à part la sienne. Tant pis. Eh, vous savez quoi? Même si je me fais des ennemis, ils seront loin. Ah non, c'est trop loin. Franchement, c'est trop loin. Ok, on subit des pertes. J'ai tellement de choses à voir ici. Tant pis, je reviendrai plus tard. Ouais. Enfin, c'est un T3 ici, hein. Ouais, c'est un T3, c'est bon les mecs. Et... Ouais, c'est un T3, mais je crois qu'il n'y a qu'un seul. Ouais, c'est un T3 non validé, il n'y a qu'un seul. Les protons quand même c'est balèze. Il y en a encore, je vais juste récupérer le pognon. Ici, ça vaudrait le coup de valider le T3.
Je sais que cette planète-là, faudrait la finaliser. Ça pourrait être intéressant, surtout que voilà quoi. Après, c'est le passage. Après, c'est le passage vers d'autres alliés. Ah, il a conquis une autre planète. Putain. J'aurais pu. Je pense que j'aurais pu. Bon, l'Empire Chibi. Comme mon ami Anubis ou... Ah non, l'Empire Chibi c'est là-bas, tiens. Je suis trop loin? Je suis trop loin. Ok. Pourquoi pas? Peut-être serait-il avantageux. Non mais franchement les pistes bleues elles m'intéressent quoi, mais bon c'est un peu loin quoi. Ce sera vraiment intéressant c'est quand j'aurai racheté énormément de systèmes solaires quoi. Écoutez moi je vous propose c'est de se balader un petit peu au petit bonheur la chance. Non, le problème c'est ça, c'est que ça va être chiant parce que t'es toujours rappelé en arrière, quoi. C'est toujours ça qui est chiant. Ah d'accord, ok. L'Empire Chibi, c'est eux et c'est parce que on peut racheter leur système solaire. N'empêche, le nouveau moteur stellaire, il est vraiment énorme. Quoi, c'est encore cette planète-là? Oh. Ça tombe bien, hop, j'ai besoin de 2-3 trucs ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà. Ils prennent pas soin de leurs animaux, quoi. Bon. Allez, on va aller valider la planète. Petit tour des colonies avant. Allez. En plus, ça va être plus rapide maintenant. On va essayer de les vendre à nos alliés plus haut. J'ai eu peur, j'ai cru que le jeu avait planté. Bon. Ah, par contre ici, il y a toujours un saut à faire avant d'aller ici. Bon.
va se faire ravitailler. Alors, ravitailler. Qu'est-ce que... Waouh, non, on va voir ailleurs. Juste le moteur interstellaire, t'as pas mieux? Non, t'as pas un meilleur moteur interstellaire. Mec, tu sers à rien. Allez, vas-y. J'achète ça. J'aurai plus de vie. J'améliore ma soupe. Ça sert à rien. Ça, je vais prendre. On va voir ce qu'on peut faire. Alors, on va voir. Alors. Donc si j'ai bien compris, on peut aller sur leur base. On va plutôt aller sur la planète principale pour ça. Voilà. Voilà, par exemple ici. Et là, si j'utilise ça, ouvre de ligne 4. Ouais, bon. J'ai l'impression que ça marche bien ça. Bon allez, hop. Alors juste... Ah ça je prends. Plus d'énergie. Ouh. Ouais. Ça va. Franchement, ça se tient comme... C'est honnête. Bon, le orange, je pense que je le vendrai pas plus cher. Alors. Et le rose. Je vais voir si d'autres vont acheter le rose plus cher quand même. Ok. Nos relations sont vraiment énormes par contre. Ouais non, on va tout de suite avant toute chose. Parce que là en fait on leur a vendu pas mal de trucs, mais. Parce qu'en fait c'est... Excusez-moi. Ce qu'on va faire c'est un peu plus de diplomatie. Ok, on est en alliance. Plus on aura d'alliance, mieux ce sera. Donc oh l'escroc. Bon bah tant pis. Par contre le méga laser il est abordable hein. Il est plus abordable. Moteur interstellaire 3.
Et il est pas cher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On attrape le rayon. Oh la gueule du rayon. Putain, le rayon d'action. Bon bah on va passer au niveau supérieur les mecs, hein. Allez, dis-moi qu'on peut l'atteindre. Ah, presque. Il nous faudrait le niveau 4. Ah, c'est con. Les pigeons, et tu vas pas me faire croire que... Bon allez, à mon avis c'est une autre épice qui l'intéresserait. Ou alors, voir sur la planète ce qu'il propose. Ouais non, c'est compris. Le moteur interstellaire, qu'a-t-il là? Ça veut rien dire. Boum. Allez, hop. Putain, je peux y accéder. Allez, hop, c'est parti. Donc, je regarde un petit peu la carte. Donc, toujours plus au nord. Il y a une espèce ici, on va peut-être pouvoir se ravitailler. Ça peut être intéressant ça. Ouais, hop. Qu'est-ce que tu as à vendre d'intéressant? Rien, rien d'intéressant. Au revoir. La structure elle est bien, elle a dû jouer de parole. Qu'est-ce que tu as? Grande capacité énergétique. Bon, l'épice jaune, ouais, je te la laisse. Hop. J'achète. Et est-ce que tu aurais un moteur interstellaire supérieur? Mais je sais plus combien je sais plus lequel j'ai acheté de moteur interstellaire. Est-ce que c'est le dernier? M'étonnerait, ça m'étonnerait beaucoup. À mon avis, il doit y en avoir encore un, encore au moins un. J'ai pas lu en fait. Manuscrit de la science. Donc c'est des scientifiques. Donc c'est des scientifiques, d'accord, ok. Bon, on va laisser ça comme ça. On sait qu'ils sont là. On va continuer à avancer.
À chaque fois que je... En fait, j'y vais au hasard, hein, et à chaque fois, je rencontre des espèces. Donc, je les marque et puis c'est tout, quoi. L'espèce, l'Empire Sacré Papillon. Vous voulez une part de gâteau? Mais on en a. Attendez voir. Eh ben non, on n'en a pas. Dites, vous avez un gâteau à vendre. Ah, j'aime bien cet humour. Bon, bah on y va. Au niveau du commerce, qu'est-ce que tu as? Plus de vie. J'accepte. La soupe va aller, hein. Allez, au revoir. C'est quoi ça? Voyageur 2. Vous avez contacté 10 empires. Pas mal. Bon, la moitié est morte. Mais... On a décimé la moitié, mais ça fait rien. Je regarde le plan de route. Ouais, ok. Allez, hop. Ok, par là, il y a encore une espèce. Ils sont sur une naine rouge. Salut les mecs. Salut. Alors, qu'est-ce que tu as? C'est quoi ça? Monolithe. Oh! Artifice. Pour amuser les populations. Pas mal, mais non. Après, j'ai ces trucs-là, ça peut se vendre. Et j'en ai pour plus... Bah, en fait, si je les vends, j'en ai assez. Hein. J'ai assez pour acheter un système solaire. Vraiment être loin. Bon allez, on va continuer un petit peu. On va continuer un peu. Salutations, votre soucoupe ne figure pas dans la donnée. Veuillez communiquer votre identité. C'est le grand espace de dialogue. Ok. Empire Luxpix. Bonjour. Vous avez rien d'intéressant pour moi. Je vais vendre. Je vais le vendre. Parce que de toute façon, c'est le même prix partout, visiblement. Ah non, je suis con, c'est que 100 000. Ouais, non, bah non, j'ai pas assez pour... Ouais, au revoir. Au revoir et bonne journée. Alors, on va continuer. Je serai ma jauge d'énergie, hein, mais... Bon, pour le moment ça va, je tombe que sur des amicaux. Ok. Putain, et n'empêche, les jauges d'énergie supérieures sont vraiment pas mal. Alors, faut que j'aille plus à gauche.
T'as 11 parsecs. Je viens de parcourir 11 parsecs là. 10 parsecs, nickel, ok d'accord. Je monte à 11 parsecs en un saut, comme ça, bah, ça va, tranquille quoi. C'est... Moi c'est ce que j'appelle du voyage interstellaire quoi. C'est le moteur interstellaire qui... Enfin c'est le... Ça saute pas de ta gueule quoi. Bon, je vais me ravitailler chez eux. Ils sont amicaux. Bon, ils seront chers, eux. Ok, donc on part à gauche toute là. Je cherche le dernier niveau d'interstellaire parce qu'à mon avis, il doit rester un niveau. Mais je dois pas avoir le... Enfin, je dois pas l'avoir le niveau requis. Transforme créature. Sélectionnez cet outil, cliquez sur une créature de la planète. Pour la modifier, d'accord, ok. Bonjour, tu n'as rien d'intéressant. L'Empire Flixel, d'accord. Ok, il y a une autre créature là-bas, je l'ai vue. Ok, d'accord. Là, il y a pas mal de... Oula, ils sont profonds dans l'univers. Ok, eux, ils sont neutres. Au nom de la raison, recevez nos salutations. Nous, les empires. Nous soumettons toute hypothèse, observation, expérience. Pourvu que cette étrange... D'accord, ok. Donc ils sont un peu comme les autres. Ouh, il y a masse de trucs là, mais il n'y a rien d'intéressant. Il y a un monolithe qui est pas trop cher. Et les pareil, les générateurs de... Oh, mais ils étaient moins chers chez les autres là, les roses qu'on avait au départ. Donc ben non mec, merci, mais au revoir. Voilà. Ce fut une joie. Y en a d'autres ici. Bonjour. Ok. Ok, eux c'est des guerriers.